Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Là, un palmier qui a été introduit d'ailleurs à La Réunion, qui s'est naturalisé, qu'on appelle le palmier parapluie, le Darrett ou le Panama, qui porte d'ailleurs le nom de Livingstone, l'explorateur anglais. Et ce palmier ici, s'il y a de la pluie, il suffit de couper une feuille, de renverser, mettre sur la tête un excellent parapluie. Les averses continuent, on n'arrive plus à passer les rivières et les ravines en crue de partout. Avec ses tiges et ses feuilles, on fait sa cabane, on est au sec. Grand manque de chance, ça continue toujours, vous commencez à avoir faim, on mange le boisson terminal de ce palmier. Et si grand manque de bol pour vous, ça continue toujours, l'eau commence à monter, on dit qu'on peut faire même un radeau. Et manque de chance encore, ça continue. Les épines qu'on voit ici, il y a à peu près 2 poissons qui sont en forme de hameçon. Et vous pouvez l'utiliser comme hameçon pour pêcher, par exemple. Et si ça continue toujours ici, on dit des mers d'azote. Ça veut dire continuer à chercher des solutions. Et ce palmier vient de philosophie environnementale qui dit on est ce qu'on est par rapport à ce qu'il y a autour de nous. Dans les bons moments, on vit. Dans les mauvais moments, on survit. Enlever l'homme de la nature, qu'est-ce qui se passe? Ça va toujours continuer. Par contre, si on enlève la nature autour de l'homme, ça va être terminé de lui. Pour nous rappeler qu'on est l'enfant de la nature, pas les parents de la nature.